Annoncé par Pierre Moscovici le 18 juillet dernier, le taux de rémunération du livret A va passer de 1,75 à 1,25% à compter du jeudi 1er août 2013. L'occasion pour certaines personnes de s'interroger, faut-il continuer à épargner sur ce livret ou consommer l'argent économisé ? Ouais, je vais continuer, ça va pas m'inciter à dépenser l'argent qui est sur le livret, mais plutôt par contre à envisager de changer le placement en fait, de changer de produit tout simplement, pour avoir quelque chose de plus rémunérateur. Toujours du livret, mais plutôt rechercher des livrets plus compétitifs, qui sont eux fiscalisés, mais même avec la fiscalité, on peut trouver des produits aujourd'hui qui sont plus compétitifs que le livret. Oui, parce que c'est une solution de facilité pour moi, comme il est à ma banque, de virer un peu d'argent de temps en temps quand j'en ai en trop. Donc je vais continuer à épargner sur le livret A. Je pense que je vais le fermer. Pour moi, il y a d'autres comptes qu'on peut ouvrir pour épargner qui sont plus intéressants en termes de taux d'intérêt. En l'occurrence, je pars en vacances cet été et je compte, oui, effectivement, ouais, peut-être que je retirerai un peu d'argent sur mon livret A pour pouvoir profiter de mes vacances. On n'a pas le choix de ne pas continuer, en fait. Parce que il vaut mieux faire fructifier le peu que nous avons que de le laisser sur un compte courant. Donc on espère que ça reprendra un pourcentage plus élevé d'ici les prochains mois.